On a pile 12h30 et c'est l'heure du ZCL. Et merci d'être avec nous. Tout de suite, le sommaire de nos invités. On va recevoir dans un instant Gladys Morinier. Bonjour. Bonjour. Elle est responsable du pôle développement et compétitivité des entreprises. Elle est accompagnée de Jean-Paul Fischer, qu'on ne présente plus, directeur de la Marina de Bas-du-Fort. Merci. On parlera du salon Kawimoutique. Un peu plus tard, on aura donc un débat avec Théo Leblanc, Kaïl Lumumba, Kenny Chamougon qui sera avec nous, Gaël Lubino, et on devrait terminer avec la chronique d'Edith Evry-Lucie dans l'actualité. Tout de suite, les titres, c'est Imane. Oui, bonjour à tous. Nous parlerons ensemble des titres de l'actualité. On parlera de la Semaine nationale de l'artisanat, où des artisans d'un jour sont mis à l'honneur. Nous parlerons aussi de l'intelligence artificielle avec Guadeloupe Tech, de football avec Lorina Fazer qui est de passage en Guadeloupe, ainsi que du championnat académique de calcul mental. Voilà. Voilà, merci Imane. Et je vous l'ai dit, on reçoit des invités qui vont parler un petit peu du cargo nautique. Alors j'interroge d'abord la dame, tu permets quand même. On commence par la dame. Absolument. Bien sûr. Gladys Morinier, alors vous êtes responsable du pôle développement compétitivité des entreprises. Ça a à voir avec Kawi Nautique ? Ben oui, déjà, pôle développement et compétitivité des entreprises, mais à la Chambre de commerce, pas à la Marina. Ah, pas à la Marina. Non, pas à la Marina. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les professionnels. Hein. Notre pôle a pour vocation d'aider les entreprises à engager des transitions écologiques, mais aussi de valoriser les professionnels des différents secteurs, dont le secteur du tourisme. Et du tourisme maritime, j'imagine. Du tourisme aussi maritime. Maritime. Jean-Paul Fischer, directeur de la Marina du Bas-du-Fort. Oui. Qu'est-ce qui se passe à la Marina en ce moment ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe à la Marina ? Il se passe beaucoup de choses à la Marina. Je pense que c'est un site en pleine évolution aujourd'hui, avec des investissements conséquents qui vont se faire sur 2023. Mais ce n'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est qu'on va accueillir pendant 3 jours un ensemble d'exposants, de gens aujourd'hui qui travaillent dans le domaine maritime, mais dans des activités qui sont liées à la mer. Le thème de développement pour la Guadeloupe, maintenant depuis des années, d'ailleurs qui n'est pas simplement pour la Guadeloupe, mais sur l'Europe et sur d'autres pays, c'est la valorisation des métiers liés à la mer. L'économie bleue. Oui, l'économie bleue, quoi. Oui. C'est l'or. On dit même mieux aujourd'hui, on dit l'or bleu. Quoi. L'or bleu, carrément. Après, oui, mais après, en Guadeloupe, on a le ciel, le soleil. Il faut faire attention aux orpailleurs. Vous voyez ce que se passe en Guyane. Oui, bon, enfin, les orpailleurs bleus en Guadeloupe, il n'y en a pas trop, mais enfin, il y a la mer, il y a le soleil, il y a la Guadeloupe, et puis il y a beaucoup de métiers qui sont liés à la mer, et notamment la plaisance, les pêcheurs, la construction navale, la réparation navale. Je crois que la Guadeloupe ignore l'importance de ce secteur aujourd'hui. Et notre but, dans le cadre de cette manifestation, était de valoriser tous ces métiers, de montrer à la population de la Guadeloupe quel est l'impact économique que ces métiers pouvaient avoir sur leur quotidien, sur l'économie de la Guadeloupe, mais aussi quelles possibilités de développement. Aujourd'hui, le développement des pays d'Afrique, de l'Europe, se font à travers la mer. Et c'est le grand projet de la stratégie européenne, c'est le grand projet de la stratégie africaine aujourd'hui, c'est de valoriser les métiers de la mer et de développer toutes ces activités. Toutes nos ressources futures viendront principalement de la mer. Et ce que les gens ignorent aujourd'hui. Madame Morinier, les entreprises guadeloupéennes de la CIS qui sont à la CCI ont cette sensibilité dont parle Jean-Paul Fischer ? Oui, il y a des chiffres qui sont sortis dernièrement puisque la région est en train de mettre en place, de réviser le SR des E2I, donc le schéma de développement pour la région. Et dans les derniers chiffres, l'économie bleue, c'est plus de 700... Il faut dire l'eau bleue. Comme dit M. Fischer, oui. C'est plus de 750 millions d'euros de valeur de production en Guadeloupe. Donc c'est une économie qui est importante. Il y a pas mal de professionnels qui sont sur ce domaine-là. Le volet activités touristiques, comme disait Monsieur Fischer, les activités de loisirs, mais aussi tous les métiers qui tournent autour. Aujourd'hui, pratiquement toutes les îles autour ont leur boat show, ont leur salon nautique. Les entreprises guadeloupéennes participent à de grands événements sur l'international, des salons internationaux comme le Grand Pavois, comme la Route du Rhum, qui est une course, mais aussi d'autres comme le
nautique de Paris. Et il était évident pour la Chambre de commerce, donc pour le président de la CCI, et avec, de s'associer avec la Marina, puisqu'on avait le même projet d'accompagner la région dans ce schéma de développement de l'économie bleue. Comme disait M. Fischer, c'est un vecteur d'emploi, emploi pour les marins-pêcheurs, emploi pour les jeunes. Et il était évident de s'associer quand on s'est rendu compte qu'on avait le même projet, d'être ensemble pour pouvoir accompagner le schéma aussi de développement d'économie bleue de la région et travailler avec d'autres acteurs qu'on va citer tout à l'heure. Alors, quand vous dites emploi pour les jeunes, ça suppose qu'il y a de la formation derrière ? Il y a des projets de formation. D'ailleurs, on a eu des rencontres dans le cadre de notre commission pêche dernièrement et où les marins-pêcheurs nous disent qu'il y a un besoin en formation. Il y a des attentes, puisque c'est un secteur qui est très réglementé. Hein. Il faut avoir des habilitations spéciales pour aller en mer. Ce n'est pas que les marins-pêcheurs, ce sont aussi toutes les activités de loisirs, les activités de visite. Et ça, il y a des insuffisances encore sur le territoire. Donc, c'est un secteur véritablement vecteur d'emploi. Alors, Jean-Paul Fischer, je pose quand même la question parce qu'elle se pose. Marina, d'accord, mais l'écosystème, l'écologie dans tout ça, est-ce qu'il y a un respect? Parce qu'on sait bien que quand il y a des bateaux, il y a des déchets. Oui, mais là aussi, je crois qu'il faut réfléchir. Il y a une évolution. De toute façon, l'activité maritime, c'est une activité qui se développera, qu'il faut développer en respectant le cadre de l'environnement, de l'écosystème. Et ça, effectivement, il y a des évolutions. Aujourd'hui, il y a des bateaux qui vont solaires, il y a les bateaux électriques, il y a le traitement de l'environnement, des déchets. Il y a le travail, nous, sur la marina, on vient d'acheter un éco-tank, hein, c'est-à-dire c'est une marche multiservice qui permet de lever les eaux grises, de ramasser les déchets, de traiter les pontons, de faire un certain nombre d'actions qui répondent à cet objectif d'améliorer l'environnement. Mais le développement se fera malgré tout. Il faut faire le développement de la Guadeloupe aujourd'hui passera immanquablement par la voie maritime, par l'activité maritime. Bon, je prends l'exemple. Sur la Caraïbe aujourd'hui, la réparation navale représente 650 millions de dollars. L'ensemble de la Caraïbe. Sur la Caraïbe. Oui. Est-ce que la Guadeloupe ne pourrait pas récupérer au moins 10% de cette activité avec, au bout, des emplois fortes plus-value? Essayez de trouver aujourd'hui en Guadeloupe un dieseliste marin. Vous aurez du mal à le trouver. C'est quand même plus difficile aujourd'hui en Guadeloupe de trouver un dieseliste qu'un médecin spécialiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers d'avenir pour l'ensemble des jeunes Guadeloupéens. Alors effectivement, la région, la Marina, la CCI, enfin les organismes en charge de la formation, doivent effectivement explorer les pistes de formation pour offrir aux jeunes Guadeloupéens des possibilités d'emploi et des autres possibilités d'emploi à forte plus-value. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la marina dont vous êtes responsable n'est pas déjà trop petite? Parce qu'on voit que les bateaux sont les uns sur les autres pratiquement. Hein. Le problème, c'est que sur une marina, c'est difficile de pousser les murs. Hein. Donc en fait, on est quand même dépendant d'un certain nombre d'éléments, notamment la mer. Oui. Donc la marina de Bas-du-Fort, effectivement, aujourd'hui, on est en pleine capacité. L'extension de la marina est impossible. Mais je pense qu'il faut réfléchir au schéma de développement des marinas en Guadeloupe. Oui. Il y a une réflexion à mener parce que comme je répète tout à l'heure, la Guadeloupe est un archipel. Ça veut dire que pour n'importe quel marin, n'importe quel plaisancier, la navigation est relativement facile. La route du Rhum a permis de réconcilier partiellement la Guadeloupe avec la mer. Donc il faut continuer à travailler dans cette stratégie et identifier les sites sur lesquels on peut faire du développement, parce qu'au bout du développement, il n'y a pas simplement le bateau, mais il y a le ship chandler, il y a le réparateur naval, il y a celui qui fait du tissu, il y a celui qui fait de la réparation des voiles. Il y a une déclinaison du métier qui est exceptionnellement importante. Et ce sont des métiers d'avenir. Le tourisme, ce n'est pas simplement la chambre d'hôtel. Le tourisme, c'est toute l'activité qui est autour de l'accueil et de la Guadeloupe. Pour répondre à ce que vous dites, ce n'est pas votre périmètre, mais je pose quand même la question. La marina de Rivière-Sens, elle n'est pas encore en bon état. La marina de Rivière-Sens. Ben, écoutez, je connais mal le dossier, mais bon, je pense qu'à ce moment-là, il faut peut-être... Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus, Mme Mourier ? Il faut peut-être interpeller les gens et pourquoi la marina de Rivière-Sens, peut-être qu'il y a un problème de gestion, d'investissement, de financement. C'est un peu dommage, effectivement, qu'elle n'évolue pas, mais je pense qu'il n'y a pas que Rivière-Sens. Il y a d'autres sites sur lesquels on peut travailler aujourd'hui. Il y a Déhé, il y a Port-Louis, il y a Saint-François. Je pense qu'il faudrait arriver à créer une fédération des marinas de la Guadeloupe, effectivement, avoir des projets
développement commun avec le conseil régional et les autres collectivités, parce que je maintiens qu'aujourd'hui c'est une activité qui se développe et qui est aujourd'hui les îles concurrentes. Oui. Je connais bien Saint-Martin, je connais bien Antigua, je peux vous dire aujourd'hui qu'effectivement eux, ils ont des projets de développement conséquents, pas simplement sur les marinas, mais tout ce qui est réparation navale, construction navale, entretien, etc., ce qui crée des ressources significatives. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas suffisamment de marinas. Je dis qu'aujourd'hui, il faut être précis. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'accueil pour l'ensemble de la plaisance. D'accord. Et alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, et vous parliez tout à l'heure d'écosystème, oui. On a des mouillages sauvages. Oui. Je ne posais pas la peine que je vous les montre, vous les connaissez, les tout le monde les connaît. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir une marina organisée, gérée, maîtrisée, dans l'environnement maîtrisé, que des gens qui mouillent n'importe où et qui mettent en cause l'écosystème? Donc la problématique aujourd'hui, c'est de créer des lieux d'accueil qui soient organisés et obliger les bateaux ou les propriétaires de bateaux à venir mouiller dans les s'amarrer dans les marinas. Alors, je vais vous embêter. Est-ce que vous connaissez la marina la mieux protégée, l'endroit en Guadeloupe où les bateaux seraient les mieux protégés et qui n'est pas exploité aujourd'hui? Peut-être pas, mais... Lance-à-la-Barque. C'est Lance-à-la-Barque, ouais, oui. Ouais. Ouais, mais historiquement, c'est un lieu d'abord ouais, où il y avait beaucoup de navigation. Est-ce que vous savez aussi que Lance-à-la-Barque est un lieu historique protégé où il y a sous la mer, il y a plein de bateaux. Où il y a plein de bateaux sous la mer qui datent de Napoléon même d'avant. Même avant. Voilà. Même avant. Et donc, en fait, ce sera difficile de faire de marina sur ce site-là. C'est clair. Mais bon, vous savez, la protection des marinas, ça s'organise. Hein. Ouais. Ce n'est pas la première marina que je gère. Il y a des moyens de protection et de sécurisation du site. Madame Mourigny, alors en termes de construction navale, puisque vous parlez, il y a d'autres secteurs, construction navale, est-ce que ça se développe vraiment? Alors, on a des chantiers navals hein, autour du MACT. Donc, il y a des... En tout cas, ces entreprises sont vraiment très sollicitées puisque oui. Il y a des constructions qui sont prévues. Il y a un calendrier de construction qui est prévu sur plusieurs années. Nous, quand on avait sollicité il y a quelques mois, un peu avant, à la sortie de la crise, on avait sollicité un constructeur qui nous disait qu'il a des commandes, oui. Il a des commandes encore à long terme. Oui. Je voulais un peu revenir sur le salon. Ce que disait Monsieur Fischer, ce que je voulais dire, c'est que en fait l'idée aussi sur ce salon, c'est de donner envie aux Guadeloupéens de rentrer dans ce genre de métier, de donner à des jeunes, voilà, les métiers de la mer, les métiers de réparation. Il y a des chantiers, il y a Forbin, enfin tout le monde connaît les existants en Guadeloupe. Il y a des constructeurs aussi de voiles. Il y a des bateaux traditionnels. Et comme disait Monsieur Fischer, il y a plein de métiers qui tournent autour de la mer. Mmh. Et l'idée du salon, c'est donner envie aux Guadeloupéens de pratiquer non seulement les activités touristiques qui existent, puisqu'il y a des activités de loisirs aussi touristiques que tout le monde ne connaît pas, et aussi des activités, et voir aussi quels sont les métiers qui existent. Donc, toute la filière, sous les exposants, il y a Pôle emploi, il y a la CARL, il y a la région Guadeloupe, il y a la CCI, il y a d'autres entreprises qui sont dans le domaine de l'écologie marine, et on invite donc tous les Guadeloupéens à venir à cette première édition qui est une première édition qui sera peut-être un peu timide comme toutes les premières éditions. On espère qu'on aura du monde, on a mis ce qu'il faut, mais l'idée c'est de garder dans le calendrier des produits touristiques de la Guadeloupe avec le comité du tourisme, avec la chambre de, avec la marina, avec les collectivités, mais aussi avec la région Guadeloupe, d'inscrire cette manifestation dans le calendrier des manifestations de la Guadeloupe. Alors, on ne va pas entrer dans tout le détail du programme, mais enfin, quels sont les lieux d'attractivité ou les choses intéressantes à voir pour Carouille Nautique? Alors, il y a des animations qui sont mises en place, des animations sur l'eau, où les visiteurs pourront réserver des sorties en kayak. Il y a aussi des sorties en bateau, en voilier. Des démonstrations de l'éco-tank. Et ensuite, il y a tous les professionnels, une grande partie des professionnels qui sont présents, qui vont exposer leur matériel, les moteurs, les motoristes et les bateaux qui sont présents. Vous aurez une vingtaine de bateaux, effectivement, de la SAD, de Forbin, qui vont présenter leur production et qui sont souvent des productions locales. Oui. Et associé à ça, on va sensibiliser aussi sur l'éco-responsabilité, puisque vous en parlez
tout à l'heure, il y aura des animations, des conférences autour de l'éco-responsabilité, des animations pour les enfants avec des associations qui sont déjà très connues sur le territoire, comme Mon École Ma Baleine, comme Mouvance Caraïbes, qui vont nous aider, nous accompagner sur ce volet événements éco-responsables et sensibilisation sur le respect des milieux marins. Alors, pour l'occasion, on reverra le bus des mers ? Non, pas cette fois-ci. Le bus des mers ne sera pas présent. Ah, il ne sera pas présent. Occasion. Hein. Oui, mais le bus des mers ne sera pas présent. De toute manière, on ne l'a pas sollicité fois-ci. On a eu des délais d'organisation qui sont relativement courts. Comme disait Gladys Monnier, c'est la première édition. Donc, oui. La prochaine sera plus conséquente. Donc, désormais, c'est parti. Chaque année, il y aura un quart nautique, c'est ça ? Comment, pardon ? Il y aura un quart nautique chaque année. De toute façon, on a inscrit la manifestation dans, dans la pérennité sur la marina. Donc, la CCI, la CCIG et la marina vont établir un protocole pour organiser la manifestation avec l'appui des collectivités annuellement, à peu près vers la même période. On fixera très prochainement la nouvelle édition de l'année prochaine et ça s'inscrit dans la durée. L'objectif étant bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, la valorisation du métier de la mer, l'ouverture de la mer, enfin pour la Guadeloupe, enfin pour les Guadeloupéens, l'ouverture vers la mer et l'évolution vers les métiers que qu'on expliquait tout à l'heure. Oui. Qu'on parlait de la réparation navale. On parlait de la problématique des marinas, mais au-delà aujourd'hui, ce qu'il y a comme problématique, c'est les zones techniques. Oui. On a peu de disponibilité en matière de zones techniques pour faire de la réparation navale. Oui. Et là aussi, il faut qu'effectivement le grand Il faut de la formation. C'est la formation, mais aussi c'est les lieux, les moyens, les infrastructures. Et c'est un investissement sur lequel il faut travailler de manière très forte. Je prends un exemple. Nous sommes propriétaires d'Adoc. Vous savez, Adoc, c'est un espèce de barge sur lequel vous mettez les bateaux pour réparer les grands bateaux. Il n'y en a qu'un en Guadeloupe. Mais les docks, il y en a deux, trois à Saint-Martin et ailleurs. Donc en fait, il faut investir dans ce type de matériel pour effectivement faire du développement. Et c'est là qu'il y a la ressource en matière d'emploi. Donc effectivement, l'objectif du salon, c'est de dire à la Guadeloupe, venez nous voir, venez regarder, venez voir quels sont les métiers aux jeunes, venez voir comment vous pouvez vous former, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme avenir. Aujourd'hui, vous prenez le métier de la mer ou le métier des professionnels de la mer, vous avez, je prends un exemple, et ça m'a toujours frappé, vous avez peu de skippers guadeloupéens. Ouais. Hein, pourquoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une piste à explorer. Il faut travailler sur ces pistes. On avait commencé avec Guadeloupe Grand Large un grand moment. À un moment donné, il faut continuer sur cette piste, former des skippers aussi. Hein, on a quand même créé, grâce à Guadeloupe Grand Large, Piprol, qui a montré qu'il s'était devenu un espoir de la voile. Donc ce travail, il faut le poursuivre, l'accentuer, le concentrer pour qu'effectivement la Guadeloupe exploite pleinement ses possibilités, ses potentialités de développement. Ça signifie qu'au niveau de la CCI, il y aura un véritable investissement dans l'or bleu, enfin dans l'économie bleue. Oui, bien sûr. D'ailleurs, cette manifestation est le début de d'autres événements sur lesquels on travaille, sur des événements peut-être un peu plus courts, qui touchent aussi d'autres domaines qu'un salon, puisque l'accompagnement des professionnels, c'est la mission première de la Chambre de commerce. Ouais. Et puis, lorsque M. Fischer parlait, je me dis aussi que l'idée, c'est que les Guadeloupéens viennent voir quels sont les projets de développement économique dans ce domaine-là. La CARL sera avec nous. Cap Excellence aussi a été sollicité. Malheureusement, pour cette première édition, physiquement, ils ne peuvent pas être là, mais on espère que les collectivités vont se joindre aux prochaines éditions. On sera, nous, présents en tant que chambre de commerce autour des professionnels privés. Et voilà, donc la manifestation va prendre de l'ampleur. On a vu comment ça a commencé avec le Martinique Boat Show. Nous, le Car Nautique, c'est notre première édition. Et c'est quand on regarde l'île voisine, comment ça fonctionne et comment certains professionnels de la Guadeloupe partent en Martinique. Quand on parle de l'île voisine, c'est Saint-Martin ou bien Martinique ? Martinique. Et certains professionnels partent en Martinique pour pouvoir promouvoir leurs activités en Martinique. On leur donne une fenêtre et un lieu d'échange avec le Car Nautique et on les invite vraiment à se joindre à cet événement pour pouvoir rencontrer d'autres professionnels, faire des affaires. Et nous, pour les prochaines éditions aussi, on est dans un réseau de la Caraïbe. La Chambre de commerce fait partie des réseaux des chambres de la Caraïbe.
Caraïbes. L'idée est d'inviter des entreprises de la Caraïbe à venir faire du business avec les entreprises de la Guadeloupe. On a de l'ingénierie. Enfin, voilà, la Guadeloupe a un potentiel vraiment important dans ce domaine-là. Et le but du salon, c'est ça. C'est faire rêver par les bateaux qui seront aussi présents, faire rêver les visiteurs sur ce qu'il y a, sur les, acheter des bateaux d'occasion, des bateaux neufs, mais aussi utiliser les sources d'information pour pouvoir trouver un emploi ou développer une activité dans ce domaine-là. Je pose comme la question, l'entrée du salon est payante ou gratuite ? Non, l'entrée du salon est gratuite. Hein. On accueillera tout le monde, les enfants, les familles, les professionnels. Venez nombreux à partir de demain, donc le 9, vendredi matin, le salon ouvre à 10h. Il sera ouvert jusqu'à 20h. Il sera ouvert le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 20h. Donc on espère avoir de nombreux visiteurs qui viennent s'informer sur les métiers de la mer, sur notre activité. La région sera présente, elle va présenter son plan de développement, notamment en matière maritime. La CARL sera présente aussi, il y aura des conférences, des présentations, des projets de développement, notamment de la CARL. Et je pense que ce sera un moment d'animation intéressant pour la Guadeloupe. Et bien sûr, première édition, ce sera peut-être, ce sera beaucoup mieux la prochaine. Ok, ben on l'espère au fond. On vous remercie d'être venu parler de Carinautique. Rendez-vous demain. C'est nous qui vous remercions. Et puis, j'espère qu'Canal 10 sera aussi sur site pendant cette période-là. Donc, comme toujours. Bon, vous allez. On se jette à l'eau. Comment ? On se jette à l'eau. Vous allez vous jeter à l'eau et vous allez naviguer dans des eaux transparentes. Voilà, 12h52, on a le temps de développer un premier titre. Les artisans d'un jour, principal collège Alexandre Isaac, dans la peau d'une cuisinière. Anne-Zou Vivier, c'est Wibi Chevin, était sur place, on regarde le reportage. Cette journée se déroule dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat, qui se tient du 2 au 9 juin. C'est une semaine nationale, donc sur le plan national, nous mettons en place des actions pour pouvoir mettre en avant l'artisanat, le secteur de l'artisanat, les entreprises artisanales et les artisans. Donc sur le territoire guadeloupéen, on décline cette opération par l'action Artisan d'un jour. Il s'agit pour nous d'inviter une personnalité, une personne à se mettre dans la peau d'un artisan, l'histoire d'une journée. J'ai été sollicitée par la Chambre des métiers, c'est ça, et plus particulièrement par Madame Marie-Joseph qui m'a proposé de me mettre dans la peau d'un artisan le temps d'une journée. Je trouvais ça assez intéressant, donc j'ai accepté. Je l'ai accompagnée pendant un petit moment dans la cuisine. C'est vrai qu'elle a vécu un petit moment avec la chaleur. En fait, elle a pu découvrir ce que c'est vraiment la cuisine, faire la cuisine. Je voulais découvrir les différentes facettes de ce métier puisque je viens parfois acheter ici. Mais je vois que la partie, la partie immergée de l'iceberg, on dit, où le produit finit. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'imagine pas. Hein. Il y a des personnels, des professionnels extraordinaires et différents corps de métier dans la même entreprise. Et c'est intéressant pour nous, pour nos jeunes, c'est très, très intéressant. Oui, elle a l'air rapide. Alors, hein, c'est un début, c'est mon début. T'as mis de l'huile et du citron, là. J'ai mis de l'huile, du citron et j'ai mis du sel. Et là, on va compléter avec l'eau chaude et elle sera prête. Donc, elle nous a réalisé en ce jour une petite sauce créole qui était excellente. Et je pense que après quelques années, elle pourra changer de métier et devenir cuisinière. Voilà, ça les tue un petit peu. Mm-hmm. Et on a le petit côté croustillant, le petit... Donc c'est là qu'il faut goûter, en fait. Non. Madame Fouman, qui est principale de collège, a accepté de jouer le jeu. Et ça permet en même temps de lui donner une idée de ce qu'est l'activité pour lorsqu'elle puisse en parler à ses élèves dans le cadre des orientations possibles. Connaître les différents aspects d'un métier, ça peut m'aider à en parler aux jeunes pour l'orientation notamment et nouer des contacts. Hein. J'ai noué des contacts avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui pour la mise en place l'année prochaine, l'organisation l'année prochaine de notre futur forum des métiers où j'inviterai les artisans que j'ai pu rencontrer aujourd'hui et même les cadres de la Chambre des métiers qui pourront nous accompagner. Dans cette organisation, il s'agissait effectivement de mettre en place cette action parce que dans cette situation économique assez difficile, l'artisanat est un secteur qui se renouvelle.
Voilà, il est 12h55, c'est l'heure de prendre la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans les ZCL News avec Imane, bien sûr. À tout à l'heure. Vous, il est déjà 13h05 avant de recevoir Kenicha Mougon. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça ira mieux après. Le village, ça a bien commencé l'autre oui, jour. Oui, j'étais là ce matin, je passais la débroussailleuse, je portais les trucs, donc ça va. Donc tout va voilà. Bien. Bon, on revient à l'actualité tout de suite. Retour sur l'actu avec Imane qui est déjà là. Oui, retour sur l'actualité. Nous avons déjà parlé de la semaine de l'artisanat et de l'opération Artisan d'un jour. Nous parlerons football tout à l'heure avec Laurine Fazer, une footballeuse professionnelle qui est de passage, qui a rencontré les jeunes Saint-Annais. On parlera aussi sur Sainte-Anne du championnat académique de calcul mental. Mais parlons ensemble d'intelligence artificielle où la 9e édition de Startup .gp à court et il parle justement de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser au mieux pour les entrepreneurs et faciliter de manière productive son travail. On voit un reportage ensemble de Ruby Échevin. Ben aujourd'hui, on est réunis pour la 9e édition de la Startup GP. Donc c'est l'événement majeur en fait de l'association. On a choisi le thème de l'IA parce que c'est un thème d'actualité. Tout le monde y est confronté, sur tous les secteurs en fait, d'activité, on est confronté à l'IA. Quand on va aborder ce thème-là, ça va être très intéressant de mettre le corps en fait, professoral face justement à l'IA. Et donc ça devrait être pas mal du tout, ça, comme échange. En tant que membre en fait, de Guadeloupe Tech, donc j'interviens sur la table ronde EdTech, donc éducation et numérique, pour parler de l'IA et de son impact, en fait. Un impact, et l'idée, en fait, c'est que chacun, tous les enseignants, puissent s'adapter, en fait, à ces nouveaux outils et nécessairement qu'ils vont obliger à adopter de nouvelles postures, en fait. L'événement lui-même, c'est surtout, en fait, des retours d'expérience, en fait, et des partages de professionnels qui utilisent l'IA dans leur domaine, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout ce qui est climate tech, en fait, donc le climat, en fait, développement durable, que ce soit dans l'éducation, que ce soit également dans l'art, parce qu'on a une partie aussi qui sera sur l'art, parce que l'IA, en fait, maintenant, est utilisée aussi dans la partie culturelle. Donc, ça va être vraiment, en fait, ce retour d'expérience et de voir comment ils se sont appropriés l'IA dans leur activité. Aujourd'hui, on a, on va dire, un peu peur, en fait, donc des nouvelles technologies, et plus particulièrement de l'IA, pour ne pas parler spécifiquement de ChatGPT, parce qu'il n'y a pas que cet outil-là, en fait, dans l'IA. Il y en a plein d'autres maintenant. C'est surtout arriver à s'approprier. Soit on l'utilise bien, soit on va l'utiliser mal, en fait. Donc, ça veut dire que ça demande, en fait, de former les gens à cet outil-là, de les sensibiliser, en fait, à l'outil, afin qu'ils l'utilisent le mieux possible, en fait. Donc moi, c'est vraiment cette vision que j'ai de ChatGPT, puisque de toute façon, l'outil, il est déjà là. C'est pas comme si on pouvait dire qu'on va l'éliminer, qu'on va le mettre à côté, il est déjà là. Alors tant qu'à faire, vaut mieux se l'approprier que de le subir, en fait. Mais on va pas quitter le domaine des techs, puisque on a un tech avec nous. Kenny, bonjour. Oh, bonjour. Alors, le village a commencé il y a déjà 2 jours, c'est ça? Non, ça commence demain. C'est demain, ça avait commencé lundi avec le MEDEF. Ah oui, le MEDEF, oui. Ah. Donc, tu parles de la semaine du numérique. La semaine du numérique. Voilà. On est en plein numérique. Et là, voilà. C'est le salon du Boost-up. Voilà, Boost-up Experience qui commence demain. Demain? Donc, demain, vendredi et samedi au village, au Crédit Agricole, hein, dans les jardins du Crédit Agricole. Au village habituel, voilà. C'est The Place, là. C'est The Place to be maintenant. Ouais, ouais, je pense que là, ça devient The Place to be. Le site s'y prête. Hein. Oui. Et on a une instance qui a compris l'intérêt maintenant de travailler avec l'écosystème local et surtout d'accompagner toutes les initiatives qui sont en lien avec, pour nous, on a fait le choix d'être sur l'entrepreneuriat. Oui. Et donc ce boost-up, hein, comme je l'ai indiqué il n'y a pas si longtemps que j'étais ici. Il y a deux jours. on a vraiment axé sur les entrepreneurs engagés. Et donc, derrière le mot engagé, on entend les entrepreneurs qui sont en charge d'amener une plus-value sur leur territoire. Le programme est sorti, enfin. Oui. On va le voir. Il est costaud, il est intense. Oui. Un mix entre trois modes pour faire un 360 sur l'entrepreneuriat en tant que tel. Une partie conférence, donc sur les 2 jours qu'on va dérouler. Une partie business story, atelier
et après concours de pitch. Donc la conférence, donc l'ouverture c'est demain matin 9h, donc tout le monde est invité, hein, je pense que tout le monde a déjà pris son billet. Arrivé à 8h30 pour démarrer à 9h, donc différentes allocutions, on va expliquer les différents parcours, je suis entrepreneur et je veux être entrepreneur, et bien sûr le mode de fonctionnement du village. Le plan, encore une fois, on a fait quelques modifications ce matin, hein, donc va sortir incessamment sous peu. Et bien sûr l'ouverture des stands et voilà. Donc à partir de 11h45, la première conférence, elle se veut la conférence de lancement, et donc c'est le point commun à tout entrepreneur, ben, comment on change de vie, comment on saute le pas et comment on entreprend pour son territoire. Donc une table ronde avec nos intervenants, hein, qui sont de multiples horizons, et notre Gaël Muski national qui sera là aussi pour nous incontournable, inspirer. Incontournable. Oui. Oui, je pense qu'à un moment donné, si on change de vie, c'est bien lui qui pourrait, à travers son expérience de vie et surtout son expérience d'entrepreneur, nous montrer vraiment qu'est-ce qui est intéressant de faire. 13h30, maintenant on va passer sur la partie, le financement en tant que tel. Je pense comment financer son projet engagé. Un financement en tant que tel avec des VC et des fonds d'investissement. Donc ils sont là, Vera Baker, Fabrice et je ne vois pas le nom. Hilton. Ouais, c'est ça, Amir. Ouais. Et donc fonds d'investissement, VC. Qui sont en Guadeloupe, qui sont venus en Guadeloupe, qui arrivent cet après-midi en tant que tel. Et ils vont nous parler concrètement du financement en tant que tel pour les projets engagés. Donc chacun maintenant, dans sa thématique, est un expert. Et le tout avec cette table ronde maintenant, c'est de croiser les regards. Alors Kenny, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une business story ? Alors, on connaît les stories sur Instagram, mais ça n'a rien à voir. Alors une business story, c'est quoi ? C'est pas loin de la story. J'imagine. Et donc, c'est le premier format, c'est le format conférence. Donc, on est sur une plénière dans la salle de réunion pour vraiment avoir cette partie conférence, débat et aborder les sujets de fond. Deuxième mode qu'on a mis en place, c'est la business story. Business story, c'est quoi ? C'est des retours d'expérience précis. Voilà. Donc, il va nous raconter précisément comment il a fait ça. Donc, on raconte une histoire, une story, on peut dire une story Instagram, sauf que là, elle est axée sur du business. Et donc là, les thématiques sont très précises, hein, encore une fois, sur la notion du business. La première, qui, je pense, est assez intéressante. Celle-là. Ah, comment on lève 8 millions d'euros en Afrique. Donc voilà, on n'est pas en Guadeloupe, on est en Afrique, on n'a pas le même territoire, mais on a peut-être les mêmes contraintes, voire plus ou moins. L'idée, c'est pas tant qu'il nous fasse la leçon, hein, c'est pas ça le but, mais c'est qu'il comprenne son mindset, son raisonnement, qu'on ouvre aussi le champ des possibles, et de comprendre que voilà, si lui il peut le faire, je peux le faire aussi. Ouais. Après, les nouvelles voix, donc femmes noires, européennes, Vera Baker va nous raconter un petit peu son histoire de rôle modèle maintenant. Elle est aux États-Unis. On a aussi quelqu'un qui a fait un magazine français Afrolux et de l'éco-conception à l'éco-innovation. Donc, on est dans cette notion d'écologie, transition durable et j'en place. Et en plus, il y a des ateliers. Voilà. Ateliers qu'on a voulu, encore une fois, très fonctionnels et extrêmement thématiques, entre « je deviens entrepreneur » et « je suis entrepreneur ». Donc, l'idée maintenant de « je deviens entrepreneur », c'est « j'ai une idée ». Donc, comment je passe à l'échelle ? Donc, des ateliers qui vont se suivre à partir de 10 heures. Donc, entreprendre, comment appréhender la reconversion, comment partir de zéro avec notre Cédric Francieta. Hein. Je pense qu'on ne le connaît pas forcément, mais c'est un des grands pionniers du numérique en Guadeloupe et entrepreneuriat en Guadeloupe. Donc, c'est bien qu'il accepte de revenir dans la lumière. Il s'était mis un petit peu en off. Donc là, il a décidé de revenir dans la lumière. Après, les fonds propres, prêts d'honneur avec l'ADI, avec Réserve École et surtout la BPI sur la partie Bourse French Tech. Donc de l'autre côté, on est sur « je suis entrepreneur ». Et lorsqu'on est entrepreneur, une démarche qui est assez importante, c'est de développer sa marque en tant que telle. Donc, comment valoriser son personal branding, le fameux branding. Le branding, il faut se vendre. C'est-à-dire que lorsqu'on a un business, c'est pas tant le business qu'on va vendre, mais c'est nous. Donc, comment on se vend. Comment on vend Kenny Chamougon ? Je sais pas. J'ai jamais fait attention. C'est pas encore une marque ? Non, pas du tout. Mais non, j'ai pas cette prétention, Danick, voyons. tu es pas gentil, toi. Tu te moques des petits.
Après le TikTok. TikTok, oui. Je pense que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Oui. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne, avoir, ses, avoir les codes hein, de ce nouveau réseau social. Tout à fait. Et on a bien compris que maintenant, il y a un business qui est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ne sont pas, bah, ils perdent du business. Mmh. Et voilà. Donc après la partie développer la marque, on est sur l'amélioration des performances. Donc je suis entrepreneur, je développe ma marque. Et maintenant, il faut rentrer dans une amélioration des performances. Un petit focus sur LinkedIn, qui est bah, le premier réseau business hein, qui existe actuellement. C'est pas tout le monde qui fonctionne dessus. Moi, je fonctionne que sur LinkedIn et je vois les apports que j'ai par rapport à ça. Hein. Ça ouvre le champ des possibles. C'est et clair. Surtout, ça ouvre un réseau qui, bah, qui dépasse la, la, la Guadeloupe en tant que telle. On en parlait tout à l'heure, ben là, c'est l'IA hein, avec notre ami Théo qui est en route. Hein, je pense qu'il ne va pas tarder. Il va arriver. Un jeune entrepreneur qui a juste 16 ans et qui excelle dans cette partie d'IA. Et voilà, donc il y aura deux gros ateliers sur, sur l'IA en tant que tel. Bien. Et bon, conférence. On business. Passe le samedi maintenant. Oui. Samedi, donc on revient sur le format conférence en, en amphithéâtre. Hein. Donc, comment faire mon business changer d'échelle? Donc l'idée maintenant, c'est quand, quand j'ai lancé le business, comment maintenant je, fais, je le fais ben, dépasser les frontières ou je le fais dépasser un certain chiffre d'affaires. Et toujours pareil, sur un format retour d'expérience hein, avec nos intervenants qui sont venus. On ne les a pas marqués, mais on aura aussi des pitchs hein, de, d'acteurs locaux, puisqu'on sait que l'Égérie, je pense que tu as vu notre journal, notre magazine qui est sorti. Oui, j'ai vu. L'Égérie, c'est notre c'est Café Papier. Hein. C'est notre, donc elle est vraiment au centre de tout. On aura des gens comme Chris qui seront présents aussi pour vraiment mettre en avant ben, comment, à un moment donné, ben, on change d'échelle. Comment lever des fonds en territoire. Donc maintenant, là, au début, on a vu comment financer. Donc on est sur l'amorçage. Hein. Au début, comment on lance une activité, comment on se finance. Donc on est sur les choses assez early stage. Maintenant, on est sur le, la partie, je pense, lever des fonds. Et donc, lorsqu'on on lève des fonds, il y a des codes, il y a des process. Et donc, pareil, hein, on a mis autour de la table bah, des VC, des fonds d'investissement et des personnes qui accompagnent des startups, des entreprises à lever des fonds en territoire insulaire, qui plus est. On finit sur le à 14h sur du branding et du marketing culturel. Ouais. On l'a voulu, après avoir fait des étapes assez classiques, je peux dire, c'est assez technique, hein. On voit un petit peu sur une petite couleur locale en tant que telle, bah, comment rayonner avec notre identité culturelle. Et donc là, un tour de table qui se fera avec notre Laurence Mia, qui est la ministre de la, du tourisme et de la culture en Guadeloupe, qui sera là pour un petit peu poser cette couleur locale et bien sûr accompagner ces intervenants qui ont pléthore de vie et de parcours à nous raconter. La dernière table ronde du samedi, ce sera l'attractivité et l'opportunité financière. Donc là, on va faire une ouverture sur la vision en tant que telle d'un territoire comme le nôtre et surtout comment maintenant on peut capitaliser, comment on peut développer et comment on peut rendre ce territoire attractif. Pareil, des intervenants locaux comme Christophe Wachter et Yuri Ogiak hein, auront la lourde tâche d'avoir cette vision prospective et ils seront accompagnés d'intervenants internationaux et nationaux. On retourne sur une business story hein, sur le samedi. Et donc, c'est Awad qui va nous parler de son incubateur inclusif qui a formé 200 entrepreneurs en quartier prioritaire. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça qui a travaillé au plus près de ces quartiers prioritaires, sachant que nous en avons ici aussi en Guadeloupe, et de partager son expérience et surtout sa vie à travers cette Alors, story. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Passer d'infirmière... acteur de l'industrie de biscuits. Ouais. Franchement. Imane, qu'est-ce que tu en penses? Tout est possible. N'est-ce pas? Tout est possible. Oui, visiblement. Et eux, ils font le buzz sur LinkedIn actuellement. Ouais. Je ne sais pas si tu as fait attention. Ils avaient fait un pari de pouvoir rencontrer certains grands décideurs politiques. Et ils y vont au culot. Ils y vont au culot. Ils ont une belle communauté qui suit. Et ce sont des gens qui ont... Voilà, c'est le culot. On peut y arriver. On y va. Après, bien sûr, on n'est pas sur les mêmes strates hein, et les mêmes territoires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le mindset qu'ils ont derrière cette volonté et surtout, quelles sont les étapes clés ou même les réseaux à mettre en place pour y arriver. D'accord. Bon, ben, écoute,
On souhaite que le boost soit up. Il est déjà up. Hein. Il est déjà up. Ah non, moi, tu sais très bien que moi, quand je m'engage, c'est à fond. Ah oui, ça. Sinon, je ne m'engage pas. Oui, oui, ça, je sais. Je sais que quand j'y vais. Tu es un acteur. Il y a des entrepreneurs engagés, mais toi, tu es un acteur engagé. C'est vrai. Oui, effectivement, non, mais félicitations pour tous les gens qui font ça. Juste un petit mot quand même avant de te quitter, puisque visiblement, Théo s'est perdu un chemin. L'intelligence artificielle, bon, on en parlait depuis longtemps. Le GPT, là, ça va casser tous les codes en Guadeloupe. Plus personne ne pourra rien faire sans. Sur ça, j'ai toujours... je fais un peu comme tout le monde. J'écoute un petit peu tout ce qui dit dans la presse spécialisée et autres. Il y a toujours les deux sons de cloche. Hein. Attention, ça va trop vite. Oui. Attention, ça va trop vite. Et l'autre son de cloche, ben, c'est trop tard, on y est déjà. On en a besoin. Donc maintenant, il faut juste comprendre comment fonctionner avec cela pour ne pas disparaître dans ce virage qui est technologique. Ça sera abordé dans le Bootstrap Experience. Bien sûr. Oui, notre ami Théo, sera le. Je pense que ces ateliers sont déjà presque tous pleins. Ouais. Je pense donc on est en train de voir comment on agrandit les murs. Agrandir les murs pour ça. Et donc, j'invite tout le monde à demain matin, 8h30, 9h, pour bon pied, bon oeil, pour ouvrir ce Boost Up Experience au Crédit Agricole. Bien, tout est dit, il est 13h21, il n'est pas 18h. On va peut-être développer un autre sujet avec Imane, on a le temps, avant la chronique de Edith Evrilis, qui doit être déjà là. Oui, donc nous allons parler de football, où la footballeuse professionnelle Laurence Fazer a rencontré des jeunes Saint-Anniens. On voit un reportage de Solène Fèvre. Je suis venue faire une petite opération pour faire plaisir aux enfants. Grâce à l'aide de Puma, j'ai pu donner des vêtements de foot aux enfants et j'espère que ça leur a fait plaisir. Je suis ravi de recevoir Madame Fazer, cette jeune footballeur, je dirais, dénommée deux fois champion espoir. Le championnat du monde, ce sera au mois de juillet. Je souhaite que l'équipe de France féminine puisse gagner ce tournoi-là. Je l'ai appris ici, donc je suis super contente d'avoir pu partager ce moment avec mes proches. Et puis oui, forcément, j'espère pouvoir apparaître dans la liste finale, donc je vais me donner les moyens pour pouvoir y parvenir. Qu'est-ce qu'on ressent en 10 ans, le travail qu'on a commencé, ça commence à donner ses fruits. Depuis tout petit, elle a toujours été sélectionnée. Il y en a encore beaucoup de travail à faire. Il faut continuer à travailler. C'est comme quelqu'un qui va au travail tous les matins pour nourrir la famille. J'ai un préparateur physique avec moi ici. Donc je vais essayer de bien me préparer et puis on va essayer d'aller chercher le titre. Je pense que c'est le but pour chaque équipe. Et avec les joueuses qu'on a et la qualité de l'équipe, forcément, je sais très bien qu'on peut aller faire de grandes choses. Donc j'espère qu'on pourra y arriver. Je lance aussi un appel à nos jeunes femmes, jeunes filles, qui doivent aller sur cette strate-là pour pouvoir évoluer dans le bon sens sur le football guadeloupéen. Retour sur le plateau du ZCL, il est à 13h23. Théo est enfin arrivé. On va pouvoir, quand même, avant la chronique d'Edith Evrilis, échanger quelques mots avec lui. Alors, quelle est la spécialité de Théo? Il est tout ce qui est intelligence artificielle. Mmh. Le voici. Il va se présenter lui-même. Oui, il va se présenter. Vas-y, viens. Oui. Alors, Théo, on le reçoit. Bon, il a fini par arriver. Spécialiste de l'intelligence artificielle. Il sera donc au Bootstrap. Et donc, on est bien content de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous allez intervenir, on le sait, au cours de ce salon. Quel va être le mode d'intervention que vous avez choisi? Sur quoi vous allez intervenir? Je vais intervenir sur l'intelligence artificielle et sur du coup les différentes intelligences dont on peut se servir. Donc différents outils comme ChatGPT, comme Midjourney, comme ce genre de choses, mais en restant un point de vue, en utilisant des outils pratiques qui peuvent servir directement au quotidien aux entrepreneurs pour qu'ils puissent gagner du temps et qu'à la fin du salon, ils puissent vraiment le mettre en application et directement gagner du temps et être plus efficaces. Alors, je viens de poser la question tout à l'heure à Kenny. Je demandais est-ce que GPT n'allait pas un petit peu casser tous les codes et... Alors, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui disent que c'est nécessaire, d'autres disent que ça va trop vite. Quelle est votre position là-dessus pour l'utilisation de GPT, son arrivée sur le marché? Alors, quoique ce n'est pas tout à fait nouveau, parce que depuis quelques années, je pense que les algorithmes étaient déjà en l'air. Alors, comment vous voyez ça?
Bah, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Je pense pas que ce soit une révolution. Enfin, c'est pas un nouveau domaine. Là-dessus, c'est pas comme le Web 3 par exemple. Mais par contre, ça va faciliter énormément de choses. C'est un levier extrêmement puissant qui va permettre à beaucoup de monde de pouvoir tester des idées, de pouvoir lancer un projet au bout de quelques jours au lieu d'y passer plusieurs mois sans avoir de résultats. Et donc, ça va ouvrir beaucoup plus de portes qu'avant et permettre à beaucoup plus d'esprits brillants finalement de se révéler avec des projets qu'ils auront pu lancer. Alors, il y a des artistes qui ont un petit peu peur, parce qu'ils se disent qu'on pourra faire des maquettes, on pourra même faire de la chanson, on pourra tout faire avec ce logiciel. Et je sais qu'en Italie, ils l'ont interdit déjà. Oui, mais ils sont revenus dessus. Et là, ils reviennent dessus ? Oui, ça fait maintenant 2-3 semaines, parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde utilisait des VPN et ça ne servait à rien. Et en France, ils sont un petit peu mitigés, parce que aux derniers examens de bac, il y a eu là aussi quelques petits soucis. Est-ce qu'on peut maîtriser cet outil, réellement ? C'est d'un point de vue politique ? Oui. Je pense pas. Honnêtement, c'est comme Internet. C'est quelque chose de tellement énorme puissant, aujourd'hui. Oui. On peut déjà télécharger ses propres modèles, ses propres intelligences artificielles directement sur son ordinateur. Donc c'est presque incontrôlable aujourd'hui, comme les États n'imaginent même pas contrôler Internet. Oui. Son atelier, c'est quand, Kenny, te souviens ? Il est sur vendredi au samedi, je ne me rappelle plus quel jour, mais de toute façon, tout est sur Internet à boostupexperience.com et je crois que ces ateliers sont déjà presque remplis. Oui. Donc, je pense qu'il faut se connecter rapidement pour choper les dernières places. D'accord. Bon, ben écoutez, Théo, on vous remercie d'être venu, même si tardivement, moi, c'était important. Peut-être que si on a le temps après le salon, si vous êtes encore là, peut-être on aura l'occasion de faire une émission un petit peu plus approfondie. Pas, avec plaisir. Puisque Kenny, c'est le médiateur, de toute manière. Il connaît la maison et la musique, et donc on n'aura pas de soucis. Voilà, on prend la dernière page de pub avant la prochaine chronique, ce sera avec Edith et Evrinus, naturopathe, c'est tout de suite après. Oui, bonjour, c'est notre dernier retour, c'est la dernière séquence. On va recevoir dans un instant Edith Evrinus. Bonjour. Bonjour, Danick. Elle est naturopathe et aujourd'hui, on parlera d'immunité. Mais avant, on fait un dernier retour sur l'actualité avec Imane Soudan, notre présentatrice qui est déjà prête. Oui, nous avons parlé déjà de la semaine de l'artisanat où une opération artisan d'un jour a été mise en place. On a parlé d'intelligence artificielle juste avant la coupure avec Kenny Chamougon également. Nous avons parlé de football avec Laurine Faza qui a rencontré des jeunes Saint-Annais. Nous parlerons ensuite du championnat académique de calcul mental. Nous sommes donc réunis à l'école mixte 1, aussi Ginette Maragnès, au bourg de Sainte-Anne, pour organiser la finale radio diffusée du championnat académique de calcul mental. C'est la dernière ligne droite avant donc, de sacrer nos meilleurs élèves en calcul mental de l'académie. C'est un championnat qui dure depuis 2008. Hein. Il a été mis en place en 2008, donc c'est la 16e édition. Nous sommes présents chaque année avec les enfants et nous les accompagnons. Nous accompagnons aussi les enseignants tout au long de l'année pour promouvoir l'enseignement du calcul mental dans les classes. En fait, comme mes oreilles étaient un tout petit peu bouchées, j'ai pas très bien entendu. Et j'avais pas trop compris. Non, c'était pas un concours très, très, très compliqué. Je vais revenir pour gagner parce que j'aime bien les mathématiques. Dans chacune des circonscriptions de la Guadeloupe, les enfants sont réunis, en fait, les finalistes hein, de chacune des circonscriptions. En général, deux enfants par niveau, du CP à la 6e, puisque depuis 2-3 ans, les collèges donc, sont avec nous, puisque les 6e font partie du cycle 3. Et donc les enfants sont avec nous dans une salle à l'abri, ils écoutent la radio et donc les exercices sont donnés par des conseillers pédagogiques départementaux en mathématiques et les enfants travaillent tranquillement. Et à la suite de cela, eh bien, ceux qui ont les meilleurs scores seront champions. Donc il pourra y en avoir 1, 2, voire 4, ça dépend. C'est parce que je suis fort en mathématiques. Et qu'est-ce qui te fait aimer les mathématiques ? Ben...
les calculs mentaux, les multiplications, les divisions. Eh bien, là, pour l'instant, il est premier au niveau de la circonscription et certainement aussi au niveau de l'académie. Peut-être qu'il y aura d'autres enfants de sixième, hein, d'autres élèves de sixième qui auront eu aussi le score le plus haut de 15 sur 15. Hein. Mais oui, il a réussi tous les calculs. Concernant la réforme des retraites, il y a des discussions ici à l'Assemblée en ce moment. Où en est-on concernant la prorogation de cette réforme, Olivier? Bon, ben là, il y a un vrai problème démocratique. Il y a un réel problème démocratique. Laissez-moi le temps d'expliquer ça. Ce qui s'est passé hier, ça veut dire que maintenant, aucune proposition de loi, par exemple celle que j'ai produite là, sur la continuité territoriale et qui est passée, ça crée des charges, parce que ça va augmenter les charges de l'État. Eh bien, il n'y a pas indiqué qu'il était irrecevable constitutionnellement. D'ailleurs, ça n'est pas la pratique de l'Assemblée nationale depuis la Ve République et 1958. Ça n'est pas la pratique. Eh bien, là, ils ont inventé un système où ils ont décidé que ça crée des charges, donc ce n'est pas possible à être examiné. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont employés à voter en commission en changeant les joueurs, hein, en changeant les Républicains qui étaient contre pour mettre ceux qui étaient pour. Enfin, une petite politique. De bas niveau, de mesquinerie, c'est ça la majorité par ailleurs. Nous considérons qu'aujourd'hui, ils ont fait en sorte de retirer cet article 1 qui remettait en cause l'âge de la retraite à 64 ans pour nous obliger, ce qu'on va faire, à le redéposer en séance. Alors, tenez-vous bien, on l'a étudié en commission, ce même article sur la remise en cause de l'âge de 64 ans à la retraite, il était dans le corps de la PPL, mais quand on va le mettre par amendement, il n'est pas constitutionnel encore. Article 40, ça crée des charges. C'est petit. Ils veulent une seule chose, ne pas aller au vote le 8 juin sur cette PPL remise en cause de l'âge de la retraite et conférence de financement social. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils capèdent. Ils savent qu'ils sont minoritaires. Et donc je regrette cette pratique-là. Ainsi, hier, on a amputé le Parlement, l'Assemblée nationale, représentant du peuple, les députés, de deux outils fondamentaux. Déposer des propositions de loi, parce qu'ils ont déclaré inconstitutionnel au gré de leurs humeurs. Et deux, ils ont annulé à peu près 1 000 000 d'amendements ou 2 000 000 d'amendements de la NUPES en considérant que ça ne va pas dans le sens de la bonne tenue des débats. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire amendement, on ne peut pas déposer proposition de loi. C'est un déni de démocratie, c'est une dérive autoritaire. Moi, je le dis, je l'affirme. Et aujourd'hui, je condamne ces pratiques qui ne vont pas dans le sens de la démocratie, du respect du peuple. Finalement, on en est resté là et rien n'a vraiment bougé pour le Lyot. Voilà, il est 13h40, c'est l'heure de la chronique d'Edith et Willis qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Edith. Bonjour Danick. On a dit qu'on va parler d'immunité pour tout de suite. Le générique, c'est parti. Alors, on parlait d'immunité. Qu'est-ce que c'est exactement l'immunité ? Alors, l'immunité, c'est la force du corps de produire des anticorps, des virus, des parasites, tout ce qui est virus, quoi, pour pouvoir préserver le corps contre les agressions extérieures. D'accord. Alors, l'immunité prend naissance dès la naissance, je vais dire. Puisque l'enfant est conçu par deux parents. Donc, fœtus, l'enfant prend la culture du papa et la culture de la maman. Mais quand la maman accouche par les voies basses, l'enfant, le bébé, il a un contact avec la flore intestinale, avec la flore vaginale. Et donc, c'est là où véritablement se met en place l'immunité de l'enfant. Quand un enfant naît par césarienne, c'est-à-dire cet enfant n'est pas passé par les voies basses, ni n'a pas eu de contact avec la flore intestinale, ni la flore vaginale. Donc c'est un enfant qui aura une immunité acquise. Le premier bébé aura l'immunité innée. Et quand ces enfants-là sont nourris au sein maternel, et c'est là où le lait maternel
apporte son lot de bactéries, son lot d'éléments, de micro-éléments, pour pouvoir véritablement mettre en place cette immunité-là. Et c'est pour cette raison que quelquefois, quand les enfants sont bébés, eh bien, les enfants ont des coliques souvent, parce que c'est à partir de la tétée, à partir du lait maternel, que se met véritablement l'immunité. Donc, un enfant qui est né par la voie basse, qui a eu contact avec la flore vaginale, a eu contact avec la flore intestinale, a eu la tétée de sa maman, donc c'est un enfant qui aura une très bonne santé, une santé maximum, une meilleure santé que l'enfant qui est né par césarienne, qui n'a pas eu contact avec la flore intestinale, n'a pas eu contact avec la flore vaginale. Mais il y a quelque chose d'autre, l'immunité acquise, tout le monde peut l'avoir, puisque bon, on a contact avec les éléments extérieurs, les microbes, les enfants jouent pieds nus, ils mettent les mains dans la bouche, et là, il y a des enfants qui ont l'immunité innée et l'immunité acquise. Les deux sont équilibrés. Il y a d'autres enfants, ceux qui sont nés par césarienne, ont uniquement l'immunité acquise. Et donc, et voilà pour cette raison, je dis toujours aux clients que l'immunité peut être considérée comme l'ange gardien du corps, parce que c'est ce qui conditionne notre santé. On a une bonne santé, on est bien, on a une immunité qui est équilibrée, on a une santé qui est déséquilibrée, eh bien, notre immunité est aussi déséquilibrée. Et on l'a très bien vu ces dernières années, puisqu'il s'agissait, cela remonte à 2 ans, 3 ans, il s'agissait d'immunité, tout le monde a entendu parler. Et j'ai voulu baser l'émission aujourd'hui sur l'immunité pour que les Guadeloupéens, pour que les gens puissent bien prendre en compte cette immunité. Il faut avoir conscience qu'on doit traiter notre immunité comme si on traitait le diabète, comme si on traitait le cholestérol, comme si on traitait notre circulation sanguine même, puisque, je me répète, si on n'a pas une bonne immunité, on a la faiblesse des cellules, et quand les cellules sont faibles, c'est la santé qui ne va pas bien. Mais alors, dites, comment on traite l'immunité ? Alors, comment traiter l'immunité ? Je dis toujours d'être à l'écoute du corps. On peut savoir quand le corps est en baisse immunitaire. Parce que pourquoi ? C'est un corps qui est encrassé journellement, quotidiennement. C'est un corps qui s'encrasse par rapport à ce que nous mangeons, par rapport à ce que nous buvons. Et donc, si on a une alimentation qui est déséquilibrée, eh bien, forcément, notre immunité, elle est déséquilibrée. Donc, c'est pour cette raison, il faut être à l'écoute du corps. Par exemple, pendant peut-être 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sent qu'on a un rhume. Et ce n'était pas ça avant. On sent qu'on a des écœurements. On a peut-être un stress chronique. On a peut-être des brûlures à l'estomac. On a peut-être un dysfonctionnement de la sphère intestinale. Donc, ça signifie qu'on a trop de mauvaises bactéries. Parce que là aussi, il faut savoir faire un équilibre entre les mauvaises et les bonnes bactéries. Des mauvaises, il nous en faut, mais il en faut aussi des bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir aussi ? On peut ressentir, par exemple, qu'il y a des petits chatouillements à l'anus. Des petits chatouillements à l'anus, on a des vers, il y a des parasites, mais ça veut dire qu'il y a une profusion de vers et de parasites. Il y en a trop, parce que, tout simplement, ce sont des animaux vivants qui font pipi, qui font caca dans la sphère intestinale et qui déséquilibrent. Donc, on peut, quand on est à l'écoute du corps, on peut savoir à quel moment qu'on est en baisse immunitaire. On peut avoir une fatigue générale, on peut avoir une fatigue qui dure longtemps, on peut être aussi en manque de sommeil, en insomnie, on peut peut-être avoir le syndrome métabolique, c'est-à-dire avoir le diabète, avoir le cholestérol, avoir l'hypertension. Donc, quand le corps est déséquilibré parce qu'il y a trop de mauvaises bactéries, parce qu'on a eu une alimentation déséquilibrée, il faut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, il y a des gens qui vont chez le médecin, il y a d'autres personnes qui vont chez le médecin, mais qui viennent aussi voir le naturopathe. Comme je dis, la médecine traditionnelle est complémentaire à la médecine conventionnelle. Et à partir de ce moment, le naturopathe prend la personne en compte. Ça peut être
un bilan de vitalité pour qu'on puisse trouver la cause de ce déséquilibre. Et à partir de la cause de ce déséquilibre, on peut mettre en place déjà une détoxification du corps. Parce que on mange tout le temps. On mange 3 fois dans une journée. On mange 21 fois dans une semaine. Quand on multiplie par le nombre de mois, le nombre d'années, et on ne nettoie pas le corps. Donc, à un moment donné, on se trouve avec un corps qui est enflammé. On a un taux d'inflammation très important, et ce qui nous donne quelquefois une acidité à l'estomac. On peut avoir de l'acidose, c'est-à-dire avoir tout le corps qui est acide. On peut avoir une sensation de chaleur dans les jambes, sous les pieds. Et c'est là où le corps, il est déséquilibré. Il y a le Covid qui arrive, pour prendre l'exemple. Donc, le virus, il est là. Comme la personne est en baisse immunitaire, donc le corps dit au Covid, tu peux venir parce que mes gardiens sont en baisse. C'est comme si, pour donner une image, c'est comme si il y a quelqu'un qui a une maison. Et devant sa maison, il y a des gardiens qui sont armés et qui attendent l'arrivée des ennemis. Mais cette personne ne donne ni le petit déjeuner, ni à boire, ni à manger aux gardiens, ni les vitamines qu'il faut, ni les nutriments. Alors à force, ces gens-là perdent force. Et à un moment, quand l'ennemi arrive maintenant, l'ennemi peut tirer, il peut faire tout ce qu'il veut parce que les anges gardiens, c'est pour cette raison que j'ai dit en préambule, que l'immunité peut être considérée comme l'ange gardien même du corps. Et donc, avec cette pandémie, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont été touchés, il y a eu d'autres personnes, tu n'as pas été touché, Danick, il y a eu d'autres personnes qui ont été touchées, d'autres non, moi non, pas du tout, et pourtant, j'ai soigné des gens covidés. Et donc, et j'ai pas pris de vaccin. Tu n'as pas pris de vaccin, mais tu as acheté. J'ai préparé une huile qui s'appelait Soulager. J'ai fait un protocole aussi pour les clients. Oui. Et donc, mais il faut faire une éducation thérapeutique, je le dis tout le temps aux clients. Et il faut que les gens même se mettent au sérieux aussi, soient à l'écoute du corps. Et pour se dire, là, bon, pendant 2 mois, je n'ai rien fait. J'ai bien bu, j'ai bien mangé. Maintenant, il va falloir que je détoxifie mon corps. Détoxifier le corps, ça se fait avec un professionnel de santé. Parce que détoxifier le corps, c'est détoxifier les 5 émonctoires, c'est aller curer, purger les 5 filtres de notre corps qui sont les reins, les poumons, le froid, les intestins et la peau. Parce que quelquefois, on a beaucoup de démangeaisons. Ça aussi, ça fait partie d'une baisse immunitaire. Et donc, il y a des plantes qui sont spécifiques pour une détoxification. La deuxième chose, la détoxification ne doit pas se prendre sur l'année ou sur le mois. Puisque détoxifier le corps, c'est faire le corps se départir de tout ce qu'il y a de mauvais. Mais dans tout ce qu'il y a de mauvais aussi, il y a les bonnes bactéries qui s'en vont. Il y a les parasites qui s'en vont. Alors qu'il faut d'un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et donc, c'est pour cette raison que quelquefois, les gens même se mettent en baisse immunitaire. Puisque Yotan, bon, nous caille pour honte de ceci, nous caille pour honte de cela. Pendant toute la journée, les gens boivent un thé, et ça, c'est pas bon non plus. Ou alors, les gens vont boire le même thé sur 2 mois, sur 3 mois, et sans le savoir, inconsciemment, les gens vont se mettre en baisse immunitaire parce qu'ils ont pris trop d'infusions. Ils n'ont peut-être pas su doser l'infusion aussi. Et à ce moment-là, ce sont ces personnes-là même qui se mettent en baisse immunitaire. Donc, il faut faire... tu m'as posé la question, j'ai parlé beaucoup, je ne me rappelle plus. Non, mais c'était pour savoir comment, justement, soigner, entre guillemets, l'immunité. Donc, soigner l'immunité, ça peut se soigner dans son assiette. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui vont acheter des vitamines B, vitamines C... Tous nos fruits et légumes locaux peuvent déjà nous emmener tout ce qu'il y a comme bonnes vitamines, vitamine B, vitamine C et tout ça. Donc, effectivement, tu vas prendre l'abricot, les papayes, on a tous nos fruits, les goyaves, ça peut nous emmener des vitamines B et C. Et c'est pour cette raison. Le soleil nous emmène de la vitamine D. Donc, il faut savoir composer son assiette, savoir mettre les vitamines, les bons nutriments pour que nous puissions avoir à redresser son taux d'immunité. C'est quoi un jus de santé ?
un jus de santé, c'est des jus que je propose à des clients qui sont faits à partir de fruits et de légumes pour pouvoir emmener des nutriments, emmener de bonnes vitamines au corps. Donc, la baisse immunitaire, ça peut aussi être une personne qui a un stress chronique, et ce stress chronique provoque des insomnies, provoque par exemple des palpitations, provoque aussi peut-être une diarrhée, et donc ces gens-là sont en baisse immunitaire. Donc, l'immunité, ça se règle aussi avec des synergies de plantes médicinales que je propose au cabinet. Ça se règle aussi avec la réflexologie plantaire qui relance la vitalité, parce qu'un corps en baisse de vitalité, c'est un corps qui est ouvert à tous les virus. Donc, il y a aussi les huiles essentielles qui ont été de très, très, très grands secours pendant cette pandémie-là pour le virus. Je confirme. Il y a aussi les fleurs de Bach. Oui. Il y a la gémothérapie aussi. Mmh. Et donc, j'avais proposé des protocoles aux clients pour l'immunité. Donc, un corps en berne, c'est un corps qui est en baisse immunitaire. Et donc, il y a plusieurs manières de traiter l'immunité sans pour cela faire des choses extraordinaires. Mais là où j'attire l'attention, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de plantes médicinales, parce que toutes les plantes sont bonnes en règle générale, mais tout aussi, il y a des contre-indications. Et donc, l'immunité du corps, c'est ce qui nous procure la bonne santé. Merci, Edith, qu'on va retrouver très prochainement pour une autre chronique. Je rappelle, puisque nous sommes à la fin du ZCL, qu'on a reçu en début de ce ZCL Gladys Morigné, la responsable du pôle développement et compétitif des entreprises à la CCIG. Elle était accompagnée de Jean-Paul Fischer, qui est directeur de la Marina. Ils sont venus parler de Kawi Nautique. Kawi Nautique, c'est à partir de demain, c'est à la Marina. Tous les gens qui sont intéressés par l'or bleu ou l'économie bleue. On a reçu ensuite Théo Leblanc, entrepreneur et Kenicha Mougon, co-organisateur du Boost Up, qui commence lui aussi demain. On devait recevoir Anne-Gaëlle Lumineau, mais elle a raté son avion, donc on la recevra la prochaine fois. Et puis on vient de terminer avec Edith Willy sur l'immunité, très important, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et soyez à l'écoute du corps. Elle n'a pas dit aujourd'hui qu'il faut boire beaucoup d'eau, mais nous déjà savent, elle avait dit de l'eau sans rimel aussi. Sinon, l'actualité, on fait un retour sur l'actu, c'est le dernier avec Imane pour aujourd'hui. Retour pour l'actu, c'est parti Imane. Sur l'actu, nous avons parlé de la semaine de l'artisanat et de l'opération artisan d'un jour. Nous avons parlé IA, intelligence artificielle, autour du forum qui a été organisé par Guadeloupe Tech. Nous avons parlé aussi football avec Laurine Fazer qui a rencontré ses jeunes Saint-Annais, ainsi que de calcul mental où un championnat académique est organisé. Voilà pour les titres aujourd'hui. On retrouve Imane demain à la même heure avec nous à partir de 12h30. On salue la venue de notre naturopathe du ZCL qu'on va retrouver avec plaisir puisqu'elle vous donne l'occasion de bien maintenir votre corps en forme. Voilà, il finit pour aujourd'hui là. Demain à même l'heure, 12h30, on sera avec vous. Restez branchés, restez connectés. Ce soir à partir de 18h, il y a le journal de Harold. Je pense, je ne sais pas s'il est là, mais s'il est revenu, mais en fait, oui, il est là. Eh bien, on me dit qu'il sera là ce soir à 18h, donc vous serez dans le journal, sur Canal 10. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai des tickets à faire gagner, ce sera demain, le temps qu'on retrouve le visuel pour vous inviter à la luminescence qui aura lieu samedi 10. Donc demain, rendez-vous. Il me reste, attendez-moi, mais il me reste quand même 4 tickets. Demain, on fait le gagner, c'est sûr. Restez bon, c'est sûr, le ZCL. Ciao, bye bye, à demain. Te transformer, Hypnotic Summer t'attend. Découvre le programme qui va révolutionner ta vie. Sculpte ton corps, libère ton potentiel avec l'hypnose. Séances puissantes, conseils personnalisés, résultats garantis. Ne laisse plus les barrières te retenir. Inscris-toi maintenant. Transforme-toi, rejoins Hypnotic Summer aujourd'hui.
pour la toute première fois en Guadeloupe. Caru Nautique, le salon du nautisme et de la mer, les 9, 10 et 11 juin. La filière nautique de la Guadeloupe sera à l'honneur à la marina de Bas-du-Fort. Exposition, animation, jeux concours et plein d'autres surprises. Alors, on vous attend nombreux les 9, 10 et 11 juin à la marina de Bas-du-Fort pour Caru Nautique, un événement de la région Guadeloupe. La marina de Bas-du-Fort, la CCI des îles de Guadeloupe, la Riviera du Levant, le groupe SAD et le CTIG.